Ouais, je sais, ça déconne plus les démarrages de stream. Maintenant, je suis un mec super sérieux. Je fais ça super organisé et je commence en disant même pas salut à toi. C'est la révolution. On est en 2018. Tout va changer. Tout va être intenable. Et trêve de conneries. On va retourner dans nos shoots car je vous rappelle qu'on a une collection de plus de 1400 titres à écumer. Et oui, 1400, j'ai dit le chiffre. Alors, ça fonctionnerait beaucoup mieux déjà si dans le stream je mettais une bonne capture de jeu par exemple. Voilà. Pardon, je m'excuse. Aïe, pas la tête, pas les dents, pas les cheveux. Est-ce qu'on va enfin y arriver? Oui, on me dit oui au studio, la régie, c'est tout bon, attention! On va enfin pouvoir commencer ce stream. Alors, il est en rapport avec un stream qui a été posté ré récemment. Normalement, il devrait être même le stream précédent pour être précis. Où je vous ai fait voir Esp Galouda. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce shoot merveilleux qui fait partie des must-have des manic shooters récents, puisqu'il date de les post-2000. Et en fait, on va s'intéresser à son histoire en regardant ce qu'il y avait après par les mêmes développeurs. Ce qu'il y avait avant par les mêmes développeurs, pardon. Et donc, on retrouve Esp Raid. Donc, j'ai jamais su comment prononcer ça. Hein. Espradee. Chacun fera sa petite création personnelle, on va dire. Qui, quelques années plus tôt, puisqu'il est sorti avant, logique inéluctable ce soir, je sens, poser les bases justement de ces jeux que sont les manic shooters sur lesquels on peut être amené à scorer comme un porc une fois qu'on a maîtrisé les patterns du jeu. Et quand j'entends scorer comme un porc, je vous conseille d'aller voir le site de la Miradigo, schmup.com, ou alors je sais plus, com, je crois. Où avec ses collègues, en fait, ils ont épluché ben, aussi tout ce qui a été fait en lance-boulette dans la création, dans son ensemble et sans discrimination. Et vous verrez la fiche détaillée du jeu sur laquelle sont expliquées les règles qui sont relativement complexes concernant ces maniques lorsque vous avez vraiment le souhait d'y aller pour scorer comme un goré. Soit on va se contenter de faire le gars sympa qui va essayer de se faufiler entre les boulettes sans bouffer trop de crédit jusqu'à un certain niveau, ce sera déjà pas mal. Je vais baisser un peu le retour, j'ai peur que vous l'ayez dans le micro. Ça me fera moins de son, c'est pas grave. Contrairement au jeu de voiture, je ne me guide pas l'oreille dans les shoots. Des sous! Oh, j'ai plus de monnaie! Oh, je vais la ressortir souvent, celle-là, j'aime bien. Choisis ton personnage. Alors, moi, j'ai plus d'affinité pour les gens qui balayent large. Vois-tu? Donc, je serais plus enclin à cette sélection, Nicolas. Qui part. Donc, hop, si tu gardes, tu vas ralentir tes déplacements en gardant appuyé le tir principal. Second bouton, bah, c'est le tir qui colle. Et troisième bouton, il faudra que je le trouve, c'est le shield qui fait un petit cancel de dernière minute et qui peut faire une méga bombe si c'est le moment de faire disparaître les ennemis à l'écran pour les transformer en or sonnant et trébuchant. Car très souvent, on ramasse de l'or. Voilà, faut que je reprenne mes marques. Ça fait longtemps, pareil, que j'ai pas lancé l'engin. Ok. Non, quoi, ça doit être. Je tire ultime aux Zedes si je dois me taper un cancel. C'est ça, mon pardon, je pense. Voilà. J'aurais dû l'essayer maintenant. Voilà. Là, faut que je reprenne les marques, hein. C'est comme tout ça. Alors... Il y a une alternance à faire. Moi sur le pad, vous ne voyez pas. Il aurait fallu que je branche le retour vidéo sur le tableau. Mais j'ai pas de sponsor ce soir donc. Vous vous rappelez du stream de... Cosmonator, je pense. Donc, oui, ce serait cool. Ce serait rigolo en retour vidéo parce que là, en fait, pour jouer, j'ai le pouce qui appuie sur deux boutons en même temps pour être précis, histoire d'optimiser mon tir. Parce que pour l'instant, j'ai pas trop besoin de slalomer. On n'est pas en mode gaz de boulette. On est en mode petit rigolo de cirque qui se la joue un petit peu là en faisant clignoter un poil l'écran et que je vais défoncer à grands coups de mes propres tirs à moi. Voilà. Comment ça, je suis colère? Non, pas du tout. C'est juste que je mets les choses à leur place et je nomme un chat, un chien, et une victime, c'est la suite. J'ai décidé de pas être sympa avec ce jeu, ça. Parce qu'il est très bon.
et que je peux pas lui trouver de défaut. Et du coup, je suis contrarié, bougreux. Ça va bader. Merde. Ouh là là, mais faut que j'achète des lunettes, moi. Jusqu'ici, tout va quasiment bien. Il était bienvenu ce petit cancel là. Un petit peu sauvé la life. Ah, crotte. Si je retrouve le coup. Alors, comme la plupart des caves, hein, vous voyez les patterns, c'est du grand art. C'est à la fois joli et mortel. On adore. Alors, je pense utiliser ma bombe de temps en temps quand je me mets en mode panique. Et de faire victimiser comme un cake. Alors, la grosse accessibilité de ce jeu, c'est qu'en fait, il n'est pas supra speed. Parce que déjà, à l'époque, il faut savoir que sur le hardware, ça sortait les doigts pas mal de la machine. Et du coup, ben, pour des histoires de limitation hardware, il y a des moments où ça va pas vraiment à fond la caisse. Tant pour la jouabilité, mais c'est surtout parce que la machine ne veut pas aller plus vite. Elle donnait tout ce qu'elle avait, Scotty, vous comprenez? Alors c'est marrant, ils n'avaient pas introduit les nombreux différents types de tirs qu'il y a aujourd'hui dans les ESP. Parce que si vous faites le comparatif sur cette version qui est la première donc de la série, oui, sur les derniers ESP, vous avez des... J'essaie d'être décontracté. Ça se voit, ça s'entend. Ok. Voilà. Peut-être un peu trop sur ce coup-là. Sur les dernières séries des ESP, donc j'essaie de dire. Ah, comment on fait ça? Je vais shooter celui-là. Vous avez une quantité de tirs que vous pouvez alterner qui est vachement plus élevée. Voilà. Ici, on a deux tirs qu'on alterne. Sur les derniers, je crois que ça monte à 4. Et en plus, il faut les utiliser justement un petit peu comme dans Ikaruga, c'est-à-dire en belle combinaison avec les boulettes qui sont supposées nous arriver sur la gueule, parce que si on les évite, on réussit à tirer un max dans un coin, bah, en les transformant en or à temps, ça vous fait péter le compteur de score, quoi. Je sais pas si j'étais clair pour expliquer ça. Avec moyen, hein. Je vais passer là. C'est vrai que j'ai pas rematérialisé la taille de mon masque, hein. Ça doit être la tête, on va dire. Oh non, non, là, je nettoie, madame. Parce que si ça nettoie, c'est une femme du con. Laissez vos frères tranquilles. Un coup dans le zig, un coup dans le zag, comme on dit, c'est la tradition. Ça n'y a pas de jaloux, c'est équilibré. Ça explosera en même temps, ce sera plus joli. Hein, j'y tiens. C'est très important, c'est ma touche personnelle. Un petit côté artiste, je crois. Aïe. Ouais, j'aurais pas dû. Je voulais tirer une deuxième bombasse, mais ça faisait vraiment trop mal. C'était juste à faute. Mon power! Comment il m'a sucré mon power? Mais comment je suis color? Donc un jeu magnifique, et jouable, et prenant, et captivant. Vous mettez ça avec des potes, soirée pizza, péloche, bonne taille d'écran. Mais franchement, le truc, vous le lâchez pas pendant 2 heures d'affilée, quoi. Pas bon, il va falloir que je me rappelle. Alors, il y a un petit peu de mémoire alors bien sûr quand même. Je me rappelle quand même un peu des vagues essentielles. Où il y a 2-3 salopards à dégommer en priorité genre ça.
avant qu'ils viennent de foutre trop le bronze sur l'écran. Parce que ce qu'on redoute toujours quand il y a une semi-grosse tourelle là qui vient foutre sa purée sur l'écran, c'est que il y a des copains qui se ramènent. Parce que la tourelle seule, elle est parfaitement gérable, mais alors avec les potes. Alors, on se calme, on se calme, on se fixe. Ça va bien se passer, madame. Soufflez, soufflez. Je suis vraiment pas bon. Non, mais faut dire ce qu'il est. Ça sert à rien, tu fais ignorer. Oui, je suis peut-être un petit peu en mode colère là sur ce coup-là, parce que j'ai fait un très mauvais passage et je m'en vais. Alors toujours le même avertissement que l'autre jour pour je sais plus quel titre, si vous avez des amis épileptiques, invitez-les, ça peut être rigolo. Parce que c'est vrai que on peut quand même dire honnêtement que c'est sévèrement chargé sur l'écran. Salut les ninjas! Ouais, c'est ça. Lui, il sent la fourberie. Il s'appelle même pas Scapin. Ah non, mais là, je fais ma petite bite, mon ami. Parce que je sentais pas le truc. Il y avait baleine sous gravillon, comme on dit. Alors lequel est le bon, lequel est le bon, lequel est le bon, allez-y, faites vos jeux, rien ne va plus. C'est cancel just in time. Ça va pas s'arranger, je sens. C'est pas... On n'avait pas dit qu'on pourrait être amis un jour. D'accord, c'est pas un jour. Non, mais ok, non, mais je tente quand même. Parce que... Oh, j'ai trop hésité. Mais quelle tâche! L'hésitation ne doit pas exister dans ces derniers jeux. Vous savez clairement où vous allez, c'est même pas la peine d'y aller quoi. Faux. Il s'arrête jamais le pépère hein. Et des fois le cancel il met 2 siècles à venir quoi, on a envie de pleurer. Tout bien crevé, cher ami Topé. À ne pas confondre avec le handi. Et oui, il y a le ami et le handi. Non. Ah le chien, ah le chien. Là, ça c'est. Ceci est violence. Je ne tolérerai plus d'actes de barbarie de ce genre. Moi qui suis un petit scarabée adorable, je ne comprends pas cette violence. Tiens, bonjour. Ouais, non, mais je t'ai pas laissé tirer, tu te sentais pas bien. Quoi? Oui, c'était un vrai soupir de soulagement, parce que là, ça commence à piquer quand même. On va se faire le niveau suivant, puis je vous laisserai la surprise de la suite. Hein. Parce que c'est quand même à vous de vivre ces expériences assez... Ah oui, il faut un petit peu de concentration, vous aurez compris. Ah,
Alors là, c'est le niveau où on apprend qu'il faut commencer à apprendre à relâcher les boutons, parce que ça sert à rien de se battre sinon. Parce qu'il y a des moments, si vous passez en étant en mode ralenti, comme pour les boulettes... sa mère. Bon, j'en ai marre, là. Monsieur, je vais vous demander de sortir. C'est mon magasin, je fais ce que je veux. Eh oui. Vous n'avez pas vu, Evil Dead. Je crois que là, enfin, je change de slip. Parce qu'ils ont décidé de me faire l'enfer. Et pas le, la version visite guidée, quoi. C'est, ça, c'est la version déjà que tu débloques tout seul dans le parc. Je suis sûr qu'on a 9 crédits, moi, aussi. On va épuiser les 9 crédits, hein. Allègrement. Je pense qu'ils vont pas avoir de difficulté à partir. C'est dégueulasse! Oh dommage! Je suis plus trop dedans là, j'ai un peu perdu le groove, comme on dit. Alors là, faut pas hésiter à bomber comme un con parce que les bombes on les récupère. Là j'aurais dit. Je vais te donner ma carte bleue, mon ami, ça ira peut-être plus vite. Parce que là, je crois que je fais pas un super. Un super jeu sur celui-là. Avouons ce qui est semi-avouable. Par des fois, j'arrive à faire du bon, mais c'est temporaire parce que il y a tout un truc qui part en couille. J'ai osé le terme, mais il est pas erroné. Pourquoi je ne parle pas, à votre avis? Vous n'avez pas un indice? C'est pas possible, madame. En plus, je suis malade, regardez. Foutoum, encore. Oh, ça va pas bien, je vois pas les boulettes. Non, je les vois plus. Je veux pas les voir, en fait. Pourquoi tant de haine, hein? Ouais, pattern suivant, ça va être mal fait. Ça va. Ça va encore, ça va toujours. C'est maintenant que ça va partir en saucisse. Ah oui, j'ai ma fierté, je ne veux pas bonder sans arrêter le mou, c'est dégueulasse. Ça se fait pas dans ce jeu. C'est sale. Même si c'est ton corps qui change. Et là, je vais entendre plein, mais beaucoup plein. Voire même un peu plus si je suis sympa. Oh. Désolé. Hein. Au bout du moment, ça passe plus. Même dans mon esprit, le chemin idéal n'apparaît pas. Et je ne sais plus où je suis dans la nuée de boulettes. Alors toi, tu fais du bruit, mais... Ah non, tu fais mal aussi, toi. J'avais une idée de chemin, mais... Je l'ai rêvé. Bon, les prochains vaisseaux... On arrête, parce que le but du jeu, c'est de pas vous faire voir tout ce qu'il y a. Vous aurez compris que ce genre de jeu, on s'en lasse pas, en fait. Parce que du coup, il y a tellement de manières d'y jouer, tout en le gardant intéressant, spectaculaire et bon. Bah... que du coup, voilà, il n'y a pas besoin d'excuses pour se dire « Ah, je vais me faire une partie, là, je trouve. » On a toujours trop envie de se faire une partie de ce genre de jeu. Et puis, regardez sur la durée, quoi. Le jeu a quasiment 20 ans. Il a pas pu. Il est nickel. C'est moche. C'est moche. J'étais pas dans l'axe. En voulant me remettre dans l'axe, j'ai dit que j'arrêtais là. Hop. On a fait quand même 20 minutes de stream. Donc on est bien dans les temps. J'espère que je vous ai donné envie de jouer à ce super shmup. Si c'est pas le cas, je vous ordonne d'arrêter de regarder des streams, tout simplement. Et en particulier ceux de la collection Shmup. On pourra jamais se comprendre. Si vous avez accroché, ne vous retenez pas. Je vous le dis, soirée pizza, tranquille, tout ce qu'il faut pour le confort. Vous passez une soirée de ouf. Bon, à la fin, vous aurez plus Dieu, je vous le dis tout de suite.
je spoil un peu cette partie-là. Mais voilà. Esperade, à mettre dans l'eau avec Esp Galuda et Esp Galuda 2 conteste juste derrière. Alors je vous dis à bientôt. Ciao!